Un grand défilé pour une grande inauguration, celle de la toute nouvelle place Roubaud à Canlaboca, rénovée et embellie. Un projet colossal de rénovation urbaine qui aura duré plus de 9 mois. On l'a fait, voilà. C'est pas terminé, hein. C'est la première phase qu'on a inaugurée, mais c'est un projet totalement structurant, énorme. Jamais la Boca n'a fait l'objet d'un tel investissement. On vient de traiter 55 000 m² d'espace public avec des matériaux très nobles, très qualitatifs. On ajoute du stationnement pour soutenir les commerces de proximité. On développe le transport public puisqu'on vient d'installer le bus à haut niveau de service. On crée des pistes cyclables ou des espaces partagés avec des zones 20 km/h. On renforce la sécurité, la vidéosurveillance et l'éclairage. On crée une belle fontaine pour les familles. Et puis c'est beau, on a choisi des matériaux beau, noble. Aujourd'hui, on est en train de gommer la frontière sociologique et sociale entre Cannes-Centre et Cannes-Laboca-Centre, tout en respectant l'identité de chaque secteur. Plus de 100 ouvriers ont été mobilisés pour effectuer 150 000 heures de travail. Et le résultat est bien là, pour le bonheur de tous. Il y a un beau design, les lampadaires sont beaux, les jets d'eau sont magnifiques. C'est une partie qui est très agréable pour les piétons. Une métamorphose qui va se poursuivre dans les mois et années à venir, avec notamment la construction d'une nouvelle halle de marché de plus de 800 mètres carrés, d'un parking souterrain de 300 places et d'un parc paysager. J'ai apporté un soin particulier.